Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Je vais vous présenter deux decks, les mêmes que je vous ai déjà présentés sur ma chaîne, le DH et le Mage. Je vais juste vous présenter les decklists améliorés, peut-être faire une partie avec, mais je vais peut-être faire une partie avec quand même pour vous montrer un petit peu comment ça roule en plus. Mais voilà, juste petit point, les decks ne sont pas dominants sur la méta évidemment. Ce sont des decks fun, ils peuvent gagner quelques games. Je sais pas si ça vous fait passer les gens, je sais pas si ça vous fait vraiment gagner. Ça peut vous faire gagner, je pense, quand même pas mal de parties jusqu'à un certain rang, parce que les decks sont quand même relativement faciles à jouer et à appréhender. Le DH était un petit peu plus complexe, mais ça reste quand même assez intéressant. Donc c'est la nouvelle liste ici présente. Ça a un petit peu quitté la liste originale avec les démons emprisonnés qui étaient présents, qui était sympathique. Le seul problème c'est que c'était trop lent, et c'est toujours trop lent en fait. C'était fort quand il y avait mage, parce que mage était dominant dans la méta, et que finalement il y avait presque que ça. Là il y a quand même un peu moins de mage, il reste du mage mais il est moins dominant. On va dire qu'il n'est plus à 50% des games mais à 20% des games, ce qui fait que du coup c'est pas free win comme ça pouvait l'être avant, même s'il n'était pas free win avant, mais ça a aidé on va dire à mettre finalement 10 patates avant lui. Le deck est ici présent. On a quand même Lilidari Inquisitor qui reste la carte maîtresse du deck, la carte clé qui va d'ailleurs prendre encore plus d'importance. C'est le seul démon de notre deck qui nous permet du coup de jouer philosophie à n'importe quel moment dans la partie. Lorsqu'on a Lilidari Inquisitor dans la main, qui nous reste un mana flottant, qui nous faut libérer de la place ou autre, on a philosophie qui va nous copier Lilidari Inquisitor, qui s'il est en outcast va devenir des 9-9, donc 2-9-9 qui vont taper tête également avec notre poirier, donc ça va faire 10 dégâts. On a une pression de malade en termes de board centric. On peut avoir un Lilidari Inquisitor qui arrive au T6 avec le Raging Fellscream. Et on a une arme qui peut être équipée en avance. Donc finalement on a l'Aldarachi Wearblade qui a été inclus dans le deck. J'ai conservé le Corvas Bloodthorn, ça pourrait être enlevé, mais je me dis qu'avec les philosophies qui sont des cartes outcast qui peuvent être jouées même quand elles ne se déclenchent pas, ça va remonter quand même. Corvas Bloodthorn, quand je dis déclenche pas, même si elles ne sont pas en outcast, hein, parce que faut garder philosophique quand on a Lilidari Inquisitor en main, ça c'est certain. On a toujours ces Crimson Sigil qui nous permettent de recycler le deck, les Fury Rank qui vont nous faire un apport de beurre supplémentaire, une nouvelle carte de l'extension Sombre Lune, donc finalement très récente, qui est très forte en DH parce que ça nous permet de jouer le Crâne de Yulan au T5 si on a joué ça au T4 par exemple, mais ça peut également nous servir de tout simplement piocher d'autres, de découvrir d'autres cartes, donc de générer de la value, générer des cartes de outclass. Toutes les cartes outclass sont fortes, donc finalement avec Bloodthorn ça rentre bien dans le deck, ça fait des petits dégâts supplémentaires, mais ça fait surtout du soin contre certains decks. C'est pour ça qu'on a mis le Fellscream Blast contre Chasseur, c'est fort. Quand il nous met plein de 1-1, on va avoir besoin de se soigner. On a deux immolations, deux auras d'immolation parce qu'on veut gérer le board contre certaines classes. Comme de toute façon notre deck n'est pas orienté sur de l'aggro, on va avoir besoin de faire plusieurs tours de burst. En fait, on va tuer avec plusieurs tours de burst. Donc, contre prêtre, ça va être difficile parce que il peut nous casser notre tempo avec Illusia. Mais dans l'ensemble, on devrait quand même pouvoir gagner, je pense, avec certaines cartes. Puisqu'il faut qu'on arrive à avoir plusieurs Lilidari Inquisiteurs. Contre démoniste, c'est pareil. C'est compliqué avec Ticatus qui peut nous détruire nos Lilidari Inquisiteurs ou nos autres cartes de combo philosophie entre guillemets, entre autres par exemple. Ça peut être compliqué, mais vu qu'on a des moyens de les dupliquer, si on en a un de chaque, ça peut déjà être suffisant parce que contre démoniste et Lilidari Inquisitor c'est très fort. On a quand même pas mal de burst, il faut pas se le cacher. On a Relentless Pursuit plus à la Radi Wearblade par exemple, plus les Chaos Strike et un Fury Rank qui fait 4 dégâts avec un Kane qui a été réduit par un crâne par exemple, on commence à rentrer pas mal de dégâts. Donc faut garder ça en tête, c'est un deck qui va viser à piocher ses cartes de son deck et à faire un maximum de burst en plusieurs tours, parce qu'on n'est pas un OTK, donc c'est clairement moins fort que le DH OTK. Il est aussi moins cher je pense, parce que cette carte est gratuite, cette carte Kane vous l'avez forcément, sauf si vous ne l'avez pas, mais vous pouvez la remplacer.
Évidemment, si vous l'avez, vous ne l'avez pas. Enfin, si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez, vous faites partie de ceux qui ne l'ont pas, et donc vous ne faites pas partie du groupe de ceux qui l'ont. Et Curtrus, elle est forte aussi, mais vu qu'elle peut être générée par Illidari Studies, vous pouvez ne pas la mettre. Donc ces deux cartes-là, vous pouvez les remplacer. Alors par quoi les remplacer? Vous pouvez mettre des Bladed Lady, c'est sûrement. C'est sûrement fort. Enfin, je sais que la carte est forte, donc vous pouvez les remplacer. Le seul problème, c'est que ça va être des démons. Donc ça va vous bloquer avec philosophie. Donc ça faut faire attention si vous jouez avec ça. À ne pas le jouer comme ça dans la main. Vous pouvez. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Vous pouvez rajouter. Vous pourriez rajouter une arme à 3 là qu'on a vu, mais ce n'est pas forcément le choix optimal. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour remplacer ces deux cartes-là? Carte de chasseur de démons. Pour rajouter des animaux compagnons. Ça pourrait garder un petit peu de board supplémentaire. Mais qui remplacerait vraiment les deux cartes. On pourrait rajouter ça, même si c'est pas fou. On peut mettre ça. C'est moyen plus. On pourrait mettre tout simplement ces armes-là, hein, ces deux T4. Ça pourrait être intéressant. C'est probablement le meilleur des choix que je vous ai proposé. Je pense que ouais, ça devrait être aux alentours de ça. Si vous n'avez pas ces légendaires. Donc ça fait un deck assez low cost finalement. Et philosophie, c'est des épiques. Vous pourriez ne pas les avoir. Mais voilà, c'est le deck, il rentre comme ça, il se joue un peu plus comme ça, il est, je pense, plus polyvalent. Dans la méta, il est moins fort, mais il est plus polyvalent, donc mieux construit également, plus équilibré. Voilà, donc ça c'est pour DH Attack. On va retourner voir notre mage un petit peu combo avec Mordresh. Le deck a évolué. J'ai pris en compte les retours d'un de mes viewers qui m'avait conseillé de mettre Talon Fordring, de mettre Aextraza également. Alors, je sais pas s'il me conseillait de mettre les deux à la fois. J'ai essayé avec les deux et honnêtement, ça fonctionne très bien. Aextraza rentre parfaitement dans le deck. Dans le sens où, quand on fait Mordresh et que derrière on fait Potion d'illusion avec notre double Mana Biscuit qu'on a joué au tour précédent, donc c'est un deck qui demande quand même du temps. Hein. Donc, si tous les decks en gros qui ne vous laissent pas aller jusqu'au T10. Ça va être compliqué. Vous avez de quoi gérer, enfin, vous avez de quoi temporiser avec le freeze en gros. Hein. Vous avez de quoi contrôler avec le freeze, avec votre power weak. Mais si vous sortez mal et que c'est un deck aggro en face, ça va être très compliqué. Faut pas se le cacher. On a quand même une curve de mana qui est assez basse, donc ça devrait être faisable, mais des fois ça peut sortir très très mal. Bon, bref, Aextraza rentre très bien dans le deck parce que quand on fait Mordresh, Potion d'illusion dessus parce qu'on a joué nos deux mana biscuits. Mordresh revient à 1 mana en 1-1 dans notre main, et vu qu'on a 10 mana, et eh bien avec Aextraza plus ce Mordresh, eh bien vous vous rendez compte qu'on peut faire 18 de dégâts sans avoir besoin d'une seconde potion d'illusion. On peut également avoir en combo alternatif contre un démoniste qui nous a brûlé un conjure mana biscuit par exemple, et eh bien si on a la pièce, on peut la conserver et on fait Aextraza pièce mana biscuit. Potion d'illusion et ça nous fait une combo alternative à Mordresh avec finalement Aextraza. On peut aussi tout simplement quand on n'a pas Mordresh faire Aextraza, Mana Biscuit, Mana Biscuit. Si on se fait cramer Mordresh, c'est moins intéressant puisque on ne clean pas le board, mais on peut quand même faire du burst, sachant qu'on peut le faire dans le même tour. Donc on peut faire Aextraza, Mana Biscuit, Mana Biscuit, Potion d'illusion, re-Aextraza puisqu'il coûte 1 et qu'on a 10 cristaux, donc on peut faire 16 de dégâts en burst. Ou 10 clean de board et au tour d'après on refait 10 plus 16, enfin plus 8 par exemple. Donc on peut faire 28 dégâts en 2 tours ou 16 en 1 tour. Donc ça rentre bien dans le deck puisque ça nous fait un combo alternatif qui peut surprendre l'adversaire, qui peut burst de manière assez intense. On a le Talon Fordring qui va nous chercher l'une des deux cartes. Accessoirement, on peut essayer de se soigner avec. C'est pas forcément le mieux, mais si on a déjà Mordresh derrière, on peut se dire bon bah, je fais Aextraza T9 parce que faut vraiment que je tienne. Et derrière T10, je fais Mordresh. Si ça se trouve, elle reste en vie et vous allez la copier avec potion d'illusion. Bref, on a les Ice Barrières pour essayer de garder, pour temporiser tout simplement. On temporise, on essaye de piocher. On a des générations de value et de cartes aléatoires, donc faut pas concede si on se fait cramer Mordresh par exemple face à un démoniste parce qu'on peut toujours l'obtenir sur un Babbling Book qui nous donne Font of Power, qui nous donne Mordresh. C'est tiré par les cheveux, on est d'accord, mais ça peut arriver. Pareil, Ruined Orb peut vous donner Font of Power. On peut vous donner un autre Wildfire qui peut commencer à taper. Vous faites cramer Mordresh, c'est difficile. Mais vous pouvez encore gagner, ça peut vous donner du burst, ça peut vous donner des choses. Donc on a des cartes qui génèrent de l'aléatoire, on a de la pioche. Le deck est plus équilibré.
Il fonctionne, je dirais, un peu mieux, mais dans la méta, c'est compliqué. Alors peut-être maintenant que ça fait longtemps que je l'ai pas joué, mais peut-être maintenant qu'il y a plus de decks un peu contrôle, un peu bah, accessoirement. Bon, après, le problème, c'est que c'est prêt à Tikatu, donc ça peut vous casser votre ça peut vous casser vos combos. Voilà, c'est un peu le problème. Après, contre les mages un peu burst et tout, ça va être un peu compliqué, je vais pas vous le cacher. Mais les decks sont fun, donc si vous jouez entre amis, en tournoi, ça peut être des decks intéressants à sortir. Je voulais vous présenter ces decklists améliorés. Je vais peut-être faire une game avec chacun des decks pour vous présenter un petit peu la chose. On va essayer de voir ça, comment ça se déroule. C'est très le message, c'est très le SMS en pleine vidéo. Je vais aller voir ce qu'on me demande. Tchac. Okiloki. Super intéressant. Bref. Ça risque de ressonner derrière, je m'en excuse. Alors, on joue contre guerrier. Bon, alors déjà, ça a de l'armure, mais comme je vous l'ai dit, on n'a pas peur d'avoir des PV en face, puisqu'on a du burst. Kurtrus, ça peut être intéressant de le garder, puisqu'il est tout à gauche, et c'est toujours intéressant de le trigger. Ça, on va pas le garder. On va tout virer. On va garder Kurtrus, parce qu'il est tout à gauche, et que finalement le T3, T4, il est assez vite arrivé. Qu'est-ce qu'on a là? C'est une bonne main de merde. Non, qu'est-ce qu'on veut? En vrai, on n'a pas grand-chose. Hein. Là, la main, ça passe. Ok, on a le crâne. Donc, il va falloir qu'on se débarrasse probablement de ce genre de carte. Ce qui est intéressant, c'est que cette carte revient à droite quand on la remonte. Donc, c'est ça qui est intéressant de jouer avec Bloodthorn, c'est qu'elle peut rester dans la main, mais on peut déplacer un petit peu notre main. Grâce à ça, faut faire attention aussi, mais c'est un peu pareil avec les outcasts, ça nous met la 8-8. Voilà, Liliaria Inquisitor, si on a de la duplique, ça nous met la met tout de suite ici. Est-ce que je fais juste une aura d'immolation? Je pense qu'on va en avoir besoin dans le match-up. Est-ce que je fais juste ça? En vrai, je pourrais presque, hein. Je me dis, je fais ça. Je peux juste piocher peut-être. Parce que ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je joue ça avant le T4, côté 5, je puisse faire le crâne. Du coup, ça veut dire que je joue ça. On peut juste faire ça, je pense, contre prêtre, contre guerrier. What have you sacrificed? Everything. La carte n'est pas très importante à. Je pense que c'est juste tempo comme ça. Si tu vois, s'il met des ressources pour la gérer, c'est rentable. Sinon, on va juste pièce ça, trade, et lui remonte tranquillement. Ou juste Spectral Sight si on n'a pas besoin de faire ça. Mais si nous joue par exemple ça 2-3 qui donne plus d'attaque à un rush et qu'il a pas le balai derrière, c'est chiant, faut le tuer. Et plus que de faire trade, pouvoir ou pouvoir heroic trade plus d'ailleurs, on pourrait juste Crutus. Ou Kurtrus plutôt. Pardon. Envoyez. Ah bon, il a le Winfury derrière. Par contre, ça c'est intéressant, envoyez le Kurtrus. Très très fort. On pourrait aussi juste faire immolation d'aura taper. C'est peut-être même mieux. Après, ça, pièce Kurtrus, c'est pas mal. Hein. On va faire pièce Kurtrus. Pour la simple et bonne raison que ça nous libère le Spectral Sight de ce côté. Et on pourra quand même faire Spectral Sight immolation d'aura au tour d'après si on a besoin. Et puis là, honnêtement, c'est quand même fort. C'est quand même très très fort le Kurtrus. Ça nous fait une 3-4. Ça nous trade le board. J'aurais bien aimé qu'il tape dedans. Je vous ne le cache pas. On a ça qui peut être intéressant à jouer. Plus sur l'immolation d'aura. Parce que de toute façon, je n'ai plus la pièce. Donc on va faire ça. La question, c'est est-ce que je tape dans la 2-5? Je pense. Je pense parce que ça va lui l'inciter soit à retaper dedans avec sa 2-2. Donc dans ce cas-là, on fait le trade, soit avec son arme. Ok, et comme de toute façon avec l'immolation d'aura, on s'en fout. Ok. On va jouer immolation d'aura, on va jouer Spectral Sight, on pourra faire un crâne au prochain tour. Hop. Pioche de cartes, on va jouer ça. On va prendre le Fellow Yuffie supplémentaire. On va le jouer, d'ailleurs.
Parce que comme ça c'est trigger. On s'en fiche un peu. Là on prend 4. On a du heal aussi, donc faut pas non plus dramatiser sur le fait qu'on prenne des dégâts. Et là vous voyez, on a déjà finalement un cinquième 9-9 dans notre deck qui vient s'ajouter. Là il pioche. Ça finalement on s'en fout complet pour le moment. On va pas jouer ça du coup, vous en rendez bien compte, mais on va le trader avec une arme ou autre. Là il nous tape, ok. On va faire un crâne je pense. On va essayer de chercher une arme, quelque chose. Kane, high beam. Ah, ça c'est pas bien mis. Hein. Je pourrais faire ça, comme ça je peux le jouer. Hop. Ça me permet de me soigner. On s'en fout, de toute façon il est déjà 9-9. Il aurait pu être 10-10 hein, si on copie, vous voyez, si on le copie deux fois. Mais je l'ai joué pour que ça se mette à droite, et comme ça celui-ci coûte 0 et non pas 1. Ça c'est une petite technique chasseur de démons, qui peut être intéressante. Ok, ça c'est relou par contre. Ça c'est très très relou. J'ai Kane. Mais le problème c'est que ça derrière je peux pas attaquer avec. Ça m'énerve un peu. C'est con. Parce que je peux aussi faire ça, je tape, je tape et ça retape dedans, mais ça reste en vie, il faut le tuer. Pour le tuer, je suis obligé de faire Kane. Le problème c'est que j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire Kane. Petite aura d'immolation, ça aurait été pas mal. Après je peux en jouer un sans que ça attaque, mais on peut hein. On peut juste faire Kane. Je joue celui-ci. Parce que pourquoi pas. On fait ça, là je face. Honnêtement je pense que c'est pas trop mal. Hein. Je peux en jouer un aussi sans que ça aille face, c'est dommage, on est bien d'accord, mais... J'aurais eu une arme, vous voyez, ça aurait été intéressant au tour d'avant. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de piocher avec ça. J'aurais pu essayer de piocher, mais là il fallait que je traite cette 3-5, ça me mettait trop de dégâts. Enfin je suppose, hein, parce que ça se trouve c'est pas la bonne ligne de play, mais ça me semble trop aléatoire d'aller piocher. Pour essayer d'aller chercher une arme, pour au final derrière faire ça, ça, l'arme, Kane. Je sais même pas si j'ai fait 3, 4, 5, 6, 7, j'avais pas suffisamment de mana en plus. Ok, okay, ça c'est chiant, mais d'un autre côté il va devoir trade dedans. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il a une autre rush. Ouais, il a découvert une. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah oui, ça survit. C'est relou. Ok, j'ai pas envie de taper. Ok, ça c'est chiant. Ok, on a ça. Ça c'est pas mal. Ok, donc ce qu'on va faire. Mais non, si je tape, ça va retaper dedans, c'est pas bon. Ah si, il est relou le gars. Hein. Tant pis, on va faire ça. Ah mais j'aurais bien aimé tuer ça quand même. J'ai une émulation d'aura dans mon deck qui peut faire des trucs. Non. On peut aller piocher, on peut aller la chercher. Hein. Ok, non, on s'en fout. On fait ça. Derrière. Est-ce que je fais ça pour me soigner? Non, je pense pas. Il me fait chier avec ses taunts lui. Là, il va retaper dedans, c'est pas intéressant. Ok. Pardon, excusez-moi. Je tapais dans le micro. Il m'emmerde un peu là, je vous l'avoue. Ouais. Ça maintenant ça me va. L'immolation d'aura est arrivée vachement cool. Ah, il a eu par quoi là? Venomous. Ah oui, il l'a eu par la 1-3. Ok. Là, l'immolation d'aura ne fait plus rien. Quack. Quack, quack, quack. Si, quand même. Je peux pas en jouer une de ça par contre. Par contre, ce que je peux faire, c'est jouer ça plus l'immolation d'aura. Et un crâne. Je dois pouvoir faire ça. Hein. J'ai dû le faire à droite par contre, je vais chier. Ça ne change rien. Parce que je risque de taper.
Avec mon arme. Ah, le crâne, la philosophie coûte 1. On a un I-beam encore une fois qui nous emmerde. Du coup, on va pas taper, on va faire ça. On va faire le I-beam sur ça. Ok. Je veux garder mon arme pour pouvoir taper gratuitement si j'ai besoin. Parce que va falloir commencer à taper tête là. Ok, ça c'est relou. Ça c'est très très relou. Très très chiante ça. Je ne joue pas de outcast sur cette partie. Donc on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Là on va devoir taper dans la tête. Faut pas qu'il nous rejoue la 6-8 là. Hein. Honnêtement, s'il nous rejoue ça, ça va être compliqué. Ce serait vraiment pas de cul. Parce qu'il a 3 cartes quand même. Hein. Il a pas pioché une carte de son deck. Ok, le taunt, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Oui et non, quoi. Ça, c'est relou. Est-ce que c'est pas létal, ça? C'est absolument létal, ça. Hein. C'est absolument létal, tout à fait, bien joué. C'était plus chaud que ce que je ne pensais. Je pensais qu'on allait vraiment l'éclater, parce qu'en fait, j'avais oublié qu'il avait joué la 6-8. Mais vous voyez, quand je vous dis qu'on a du burst, là j'ai pioché sur une chance sur 5, mais... j'ai quand même pioché pas mal de cartes dans mon deck, mais... Il me restait quoi dans mon deck? J'ai pas le tracker, j'aurais dû mettre le tracker. Il me restait quoi? Il me restait probablement ça. Ça c'était carte morte. Il me restait un ça je crois. Une arme. L'arme était pas mal. Ouais. Je pense que j'ai balargué peut-être le 7-2-2 un peu trop tôt du coup. Parce que on voit que j'ai eu besoin de soins. Après ça m'a quand même... Non ça servait à rien. Au final si, parce que ça a mis des dégâts. Mais non, je pense que je l'ai balargué un peu tôt. Le Curtrus était fort. Ouais. Bah écoutez, on a gagné. Ça fait plaisir. Très bien, très bien. On va faire le mage HP. Juste pour que vous voyez un petit peu comment jouer le deck. Après, moi je vous invite à jouer vous-même le deck chez vous. Comme ça vous permet de vous familiariser avec celui-ci. Honnêtement, ce n'est pas des decks top méta, je vous l'ai dit, mais on peut gagner. Et c'est souvent peut-être un petit... Avec le DH, c'est souvent... je pense que le DH est plus fort que le mage, mais c'est peut-être un peu tricky de temps en temps, le DH. Des erreurs peuvent vous coûter des parties. Donc il est assez intéressant à jouer. On joue contre Démonis, donc là, la carte clé... Alors, en vrai, Thailand, on va peut-être la garder, parce que ça peut aller nous chercher notre Dizis. On a une potion d'illusion, je me dis s'il faut... Je pense qu'il faut garder la combo contre démoniste, honnêtement. Après potion d'illusion, on n'a pas besoin d'en avoir deux. Enfin on en a deux dans le deck. Et on n'a pas besoin d'avoir les deux pour gagner. Donc on va les virer. Bonjour. Hop. C'est les mana biscuits et Tailin le plus important. Ok. Pas super. Enfin on préférerait avoir mana biscuit sur ça. Par exemple. Ok, on a repotion d'illusion. On va juste ping. Et lui laisser le loisir de trade. On prend pour avec trade. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir suffisamment de dégâts faits par le ping lorsqu'on a toute la combo en main et donc Tailin ne se déclenche pas. C'est un problème. Et c'est probablement une erreur du gameplay, parce que ça arrive des fois de ne pas avoir les plus de pouvoir héroïque, et du coup il faut quand même maximiser le pouvoir héroïque. Voilà, le plus possible. Par exemple au T2, si vous avez mana biscuit et ping, favorisez le ping. Voilà. Ça dépend des situations, mais... Là par exemple, l'ice barrière sera très intéressante à jouer, mais honnêtement, on s'en fout, on va ping. Parce qu'au prochain tour, on peut re-ping.
ping Ruin Orb ou juste faire Ice Barrier. Donc au final on perd un mana mais ça ne change rien. Ce qui fait que, parce que côté 5 on va jouer ça. Donc là on va faire Ice Barrier, à moins qu'on ait un Wildfire. On pourrait faire double Ruin Orb aussi. C'est même mieux je pense. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est même mieux parce qu'il joue les 3 sets. Donc autant se débarrasser de nos sorts le plus vite possible. On va faire une potion d'illusion. Ça fait une deuxième partie de la combo, donc si nous la crame c'est pas grave. Ça on s'en fout complet, on va prendre Font of Power au cas où on se fait cramer Tailin et on peut peut-être le choper. Parce que c'est une découverte parmi 3, donc on peut peut-être se faire plaisir. Ouais, il joue l'Ogromanceur, donc c'est intéressant de jouer ça le plus vite possible aussi. On va aller prendre ceci. Donc là ça me fait 2 et ça fait 4, donc je pourrais 13. Ok, il le joue aussi. Relou, peut-être pouvoir le ping. Alors là, ok, il a pas trade. Ah, Wildfire. Alors sachez que ping un bouclier divin ne déclenche pas Tailin. Donc ça fait 4. Donc si je les freeze, je peux faire ça. Ça fait que 2. Je peux trade, vous me direz. Eh, mais non, parce que ça peut le freeze. Je suis pas certain. Si ça peut le freeze. Si ça freeze pas ça, je suis dans la merde. Là, ça sent m'emmerde. Hein. Ça, c'est vraiment relou. Parce que je loupe des sorts. C'est un poil embêtant. Tchac. Là, je pourrais faire ça plus ça. En vrai. Là, lui, ça le met à 3. Ça tue la 2-2. Et derrière, je sais pas ce que je fous. On va juste faire ça, je crois. Hein. On va faire ça, tant pis pour la 2-2. Et on a un Flame Strike, c'est très bien. Ça pourrait être. C'est intéressant d'avoir la. De jouer le Wildfire si on a la. Comment elle s'appelle? La 3-5 là. Qui inflige 2 à tous. Ça aussi c'est intéressant de ne pas les perdre sur Tikatus. Faut que Tailin meure avant qu'il nous joue Tikatus. Qu'on aille chercher notre 10-10. Donc on va essayer de le tuer sur ce tour. On pourrait flame strike. Ok, il le tue très bien. On pourrait flame strike là. Honnêtement. Je suis à combien là? Je suis à 8. Vous voyez, c'est pas suffisant. On peut juste faire ça aussi peut-être. Ça, pouvoir weak face. Ça me plaît. C'est mieux que flame strike, je crois. Pas, on a bah juste temporisé, on n'a pas envie d'utiliser un flame strike sur ça. Il manque les mana biscuits donc il faut qu'on aille chercher. On n'a pas de pioche là, c'est relou. Ça vient d'avoir de la pioche. Je vais chercher mana biscuits moi. Lui il pioche beaucoup. Lui. Bon, il ne s'est pas encore déclenché son Tikatus, mais ça risque de tarder. Ok, ouais, j'ai bien fait. Ok, Wildfire, on va juste faire flame strike trade. Hein. Je crois bien. Ça a l'air d'être le plan en tout cas. On va aller découvrir le serviteur. On va avoir un autre timing, ça serait cool. Ce n'est pas le cas. On va faire un one thief. Ça peut nous donner un mal à biscuit, ça peut nous donner ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il peut nous faire là? Ok. Alors ça, ça mange pas ça. Ouf, ça c'est très fort. C'est très très fort ça. Bonjour, je suis fort. Ok, par contre, on va se prendre un Tikatus. Mana biscuit, faudrait que j'ai mana biscuit sur ça. Oui, largement fait du coup. Mais... Il n'y a pas de mana biscuit. Relou. Ça me fait de la pioche ça. J'ai pas envie de piocher. Enfin, si j'ai envie de piocher, mais pas après qu'il ait le Tikatus quoi. On va prendre Font of Power, si on peut aller chercher un autre Mordresh, parce que finalement on peut aussi le tuer jusqu'avec Mordresh et Alexstrasza quoi. Il joue Alexstrasza aussi, mais là il va nous faire Tikatus. Ah non, Jaraxxus. Donc c'est un peu... Potion d'illusion sur ça, c'est très intéressant aussi à faire. Ok.
Ok, One Thief, très très bien ça. J'ai juste envie de faire ça, de jeter un ça. Ah non, on peut faire juste Font of Power en fait, je suis con. Ouf. Mais oui. C'est très très bon ça. Je peux faire ça. One Thief. Potion d'illusion. On va le tuer avec les 3-5, hein. Hop, on va générer de la value comme ça. Je me demande si je fais pas juste le freeze. Non, on va juste trade. Ah, voyez, on va pouvoir. On lui fait combien là? On lui fait 3, 6, plus 12. Et derrière, on refait ça. Ouais, ça va commencer à l'éclater là, le bonhomme. Commencer à l'éclater avec à coup de Reckless Apprentice. Ça fait de la magie, hein. Là pour le coup on est en train de faire de la magie. Je vous dis qu'on a des moyens alternatifs de gagner autre que la combo grâce à la génération aléatoire. Et bah ça en fait partie. Et faut pas hésiter à utiliser une potion d'illusion sur ça, parce que justement on n'a pas besoin de deux potions d'illusion. On en joue deux, donc le mieux c'est de faire Mordresh, Manabiscu, potion d'illusion sur Mordresh pour refaire Mordresh, potion d'illusion Mordresh. Ça c'est le combo qui fait 30 dégâts. Mais on a possibilité de faire... d'utiliser une des potions d'illusion pour faire autre chose. Et notamment ceci. Ce qui est quand même vachement fort, on va pas se le cacher. Hop. J'ai quand même vachement envie de refaire le truc, hein. Ok, on a masse de Cthulhu. Ça fait des dégâts ça. On va refaire ça. Salut, on va juste en faire un parce que j'ai la main pleine. Et on lui rend des dégâts. Pardon, encore une fois, je touche le micro. On est à 10, on peut faire 16 dégâts, on peut faire 10 aussi, sur tout le board. Parce qu'il va quand même pas faire un néant sur ça. C'est des 1-1. Mais pour lui, c'est dangereux. Il le voit. Bon, il fait ça, c'est logique. Il nous a toujours pas fait Ticatus. On n'a toujours pas de mana biscuit, donc c'est un peu relou. Bon, là on a plus 10. Ça fait 8. Est-ce qu'on a l'étal là? Je crois. Hein. Ah, je suis à one off, je crois. Est-ce que ça fait 3 là, 3 là? Je fais ça là, et derrière je fais ça, ça fait. Je le mets à 1. Relou. Je suis relou. On est d'accord. Si je fais ça, je le mets à 11. Et derrière, je n'ai pas le pouvoir Ikki. Ikki. De toute façon, on va quand même faire ça. Je pourrais juste faire ça après. Je peux juste faire ça. Pour commencer. Ça, on a One Thief. On voit ce qu'on peut faire. On peut piocher, tiens. Essayer de chercher les mana biscuits. Non, il veut pas. Il a pas l'air de vouloir chercher les mana biscuits. On va faire un brain freeze sur ça. Et on va aller dans la tête. Appelez pour Ricky. Voilà. Puisque du coup on a l'étal sur Reckless Apprentice avec Straza. S'il ne se soigne pas, il n'a pas pioché de fragments. Il peut faire un siphon, mais c'est chaud. Il peut faire Ticatus aussi. Il nous cramerait probablement nos mana biscuits. Mais là c'est plus le moyen de l'étal. Ok, il s'est extrasé à la gueule. C'est donc qu'il a peur. on lui fait 10. Clean le board. Je peux continuer à juste faire Flurry Rank là pour le coup. Je peux aussi faire la Reckless. On va trade ça d'abord. On a repotion d'illusion. Putain, on en a combien là? On en a joué combien des potions d'illusion, sérieux? Tchac. Hop. Moi j'ai presque envie de faire le masque là, mais.
On va faire ça, je crois. Tant pis, on a encore une Reckless dans le deck. Au moment, il va peut-être pas tout nous cramer avec Tikatu. S'il a peur de l'avoir en plus, donc s'il ne l'a pas, c'est qu'il ne l'a pas pioché, qu'il ne l'a donc pas corrompu avec son Jaraxxus. Ok, 10 PV, c'est insuffisant. Et bah, c'est une. C'est un létal. C'est un well played. Et on finit sur Mordresh. Parfait. Eh bien écoutez, ça s'est bien mieux déroulé que ce que je pensais que ça se déroulerait. Après on a fait qu'une seule game, ce n'est pas représentatif. Mais honnêtement, ce sont pour moi des match-ups assez compliqués. Il a fait une mauvaise sortie en face, il aurait eu Tikatus. Honnêtement, là, il aurait eu Tikatus, ça n'aurait rien changé pour notre game, sur cette game-là, mais ça aurait pu changer sur d'autres games. On n'a pas eu de pioche non plus, donc c'est aussi ce qui nous empêche de développer notre jeu. On a eu les deux Wildfire, et ça c'est très important pour le deck. Parce que c'est une carte clé du deck, donc si on n'a pas Wildfire, c'est compliqué. Si on l'a sur la génération aléatoire, on peut essayer de la prendre. Si on a Malabiscuit Wildfire, bah ça dépend contre quoi on joue, ça dépend de notre main. Contre un petit peu tous les decks, on va plutôt quand même prendre Wildfire. Contre certains decks, si on s'est déjà fait cramer un Malabiscuit, si on a le temps de développer Malabiscuit, on va prendre le Malabiscuit. Sinon, on n'a pas besoin d'un troisième Malabiscuit, quoi. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Mais ça illustre parfaitement l'utilisation de la potion d'illusion sur la Reckless Apprentice. Mais évidemment, si votre Powerick ne fait qu'un dégât, vous n'allez pas faire ça. Hein. C'est con à dire, mais c'est important de le préciser. Voilà, j'espère que ce rapide tour d'horizon sur cette version améliorée des decks que j'ai déjà présentés sur ma chaîne vous aura plu. Je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.